Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le Disney Challenge qui est sur Toy Story. Donc, comme à chaque fois, je fais cette vidéo avec ma petite bichette et vous avez donc sa vidéo qui est en barre d'infos. N'oubliez pas d'aller vous abonner à sa chaîne, de lui mettre des pouces en l'air, des gentils commentaires et d'aller voir ce qu'elle fait. Et c'est elle qui vous donnera la fin de sa vidéo, normalement, le prochain Disney Challenge. Voilà. Donc là, on part sur Toy Story. C'était moi qui avais demandé si on pouvait faire celui-là, puisque je me suis réveillée une fois avec un make-up dans la tête en lien avec Toy Story. Voilà. Et on va partir sur Buzz l'éclair. Un petit clin d'œil à DJ. Voilà. Tout simplement. Alors, je vous montre ce que je vais utiliser, puisque je vais vous le filmer en musique, tout simplement, parce que je n'ai pas trop envie de parler. Et puis, j'en ai marre d'entendre les chiens gueuler et de gueuler dessus, donc voilà, c'est pas très intéressant pour vous de les entendre. Surtout que j'ai pas grand-chose à faire. Donc, je vais juste faire les ailes de Buzz l'éclair sur mes yeux. Pour ce faire, je vais utiliser la palette Athena de chez You Can Be, avec le violet ici. Faire ma base. Je vais utiliser un des fards de la Midnight pour fixer le tout et en même temps avoir la bonne couleur qui est plus ce violet ici. Et pour le reste, je vais tout simplement utiliser la palette de Liner Keg de chez Révolution avec Sarah New FX. Je vais utiliser principalement le vert ici, le blanc et le rouge. Voilà. Donc, écoutez, je me rapproche et je vous laisse en musique avec le make-up de Buzz l'éclair.
Et donc voilà le look final pour Buzz l'éclair, Toy Story. Donc j'ai mis deux petites traces ici pour faire les petites coupures. Voilà. Bah écoutez, c'est ce que j'avais en tête, donc je suis contente. Dites-moi en commentaire. Je pense que vous, quand vous voyez ça, vous pensez direct à Buzz l'éclair. Je pense. Je vais m'envoyer une photo à DJ pour lui demander voir si elle sait qui c'est. Alors sur les lèvres, j'ai juste mis mon crayon Make Up Forever, donc qui est un nude rosé, et j'ai mis le gloss Wings, c'est le Terra de chez NYX là, pour avoir des petits reflets verts. Je cherche après un violet, j'en avais pas, donc j'ai mis du vert pour que ça va avec le thème. Ils ont été calmes tout le temps que j'ai pas filmé en parlant, hein. Enfin, presque. Donc ben voilà, ce qui clôture cette vidéo. N'oubliez pas d'aller voir sur la chaîne de ma bichette, puisque vous aurez, et moi aussi également, je saurai le prochain thème, enfin, le prochain Disney. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air ici aussi, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dites-moi en commentaire si le challenge est réussi. Et ben voilà. Donc moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.